Bonjour à tous, je suis Madrigan. Aujourd'hui on est reparti sur Going Medieval. La dernière fois nous avons construit une petite maison pour notre artiste Malabar. Comme ça vous voyez elle est un petit peu sur l'eau, beaucoup à l'écart. Et ça va lui permettre comme ça de nous faire des toiles. Bon, on a juste un souci technique qui est qu'on n'a pas d'œuf. Et donc pas de pigments. Tant pis, j'ai envie de dire, on a un coq cependant. Et avec un peu de chance, non il va pas devenir hermaphrodite et nous faire des œufs. Bon, on n'aura pas d'œufs avant un bout de temps. Faut qu'on trouve un marchand qui serait capable de nous en vendre. C'est pas très très grave. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un gros souci qu'on a, qui est que on a des problèmes de ravitaillement. Vous voyez, tout est éteint chez moi, ou presque. Donc j'ai mis tout le monde à faire du ravitaillement. Mais ils doivent aller super loin parce que les bâtons, le bois sont là. Donc il va nous falloir un stockage. Que je pense mettre ici, vu qu'on a un petit peu de place dans notre place forte, ce serait pas mal. Autre chose aussi que je voulais faire, c'était de continuer à miner notre argile, parce que là, ouais, on a fini normalement de tout bloquer, hein, ou presque. Enfin, il y a encore Gerbaga qui est en train de finir ça, et après, on va pouvoir leur demander de nous faire toute l'argile, comme ça, ce sera fait. Voilà, très bien, très bien. Parfait. Toute l'argile va être demandée. Ou un peu trop même. Ouais, pas ça. Merci. Lui, non, non, c'est de la terre seulement. Très bien, comme ça, on va avoir de l'argile. Parce qu'on n'en avait plus. Souvenez-vous, il nous reste 385 d'argile. Et ici, 4400. Donc c'est très très peu, histoire aussi d'avoir ce qu'il nous faut. Non, si notre village est par là, je vais demander à mes fours ici de me faire beaucoup plus de charbon, c'est limité à 1000, j'en veux 2000, voilà, comme ça on devrait être pas mal une fois qu'on aura tout notre stockage. Et bah, il est déjà 15h, ah, ça va tellement vite, et on va pouvoir commencer ici à nous faire donc notre stockage de charbon qui va être évidemment en briques d'argile et que j'avais envie de faire en deux temps, enfin deux étages. On va essayer de faire ça un peu large, mais ouais, ça va m'embêter. On va faire ça comme ça jusqu'ici. Donc là, ouais, on fait ça à fond, on mure tout. Alors oui, ça va nous faire des problèmes de fenêtres, mais c'est pas très grave. Et on va mettre un escalier que j'avais envie de mettre dehors. Que j'avais envie de mettre là. Voilà, très bien. Alors ça, pour le principe, on va le démolir. Et on va lui faire donc un deuxième étage, on a dit, comme ça aussi. Hop. Très très bien. On ferme tout à fond. Il n'y a pas de raison. Ça et ça aussi, on va le démolir. Voilà, nickel. Ça va aménager un petit peu. Il était temps qu'on aménage un petit peu l'intérieur. Mettons les variations avec les coins arrondis. Voilà pour le début. Il va nous falloir des portes. Alors, on va faire des portes normales, hein, pas des portes renforcées. Ça nous coûterait trop cher. Mets-en une là aussi. Tu me mets évidemment un sol en argile dessus. Avec la variation seulement au bout, parce qu'on est arrivé en bout de mur. Mets-moi en dessous un sol qui sera très très bien, comme ça. Laissez-moi voir. Je peux pas te mettre la variation, toi. Si, je pourrais. On pourrait te mettre comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, ça me fait... Ouais, non, ça sert à rien. Très bien, toi aussi. Et toi... Comme ça, pour le principe. Très très bien. Ensuite, variation et coin arrondi là. Coin arrondi là. La même chose pour les portes devant. Voilà, nickel. Au fond, évidemment, on remet de l'argile. Et à l'étage, on va mettre du bois. Comme tous les étages chez nous. Pas besoin d'isolation particulière. Ça va nous faire ces économies là. Par contre, tout en argile... pour aller avec le reste. Voilà, comme ceci. Et on va faire avec la pente douce. Voilà, très bien. Quelques fenêtres, ça pourrait être sympa. On va en mettre... J'ai envie d'essayer avec 4. Comme ceci. Et de dire 2001. 2001. Et 2001. Voilà. Ça peut être sympa, comme ça. Très très bien. Et ben, ça va nous faire notre... notre petit entrepôt de charbon, ce sera bien.
Voilà, et puis si ça se passe bien, on fera le même de l'autre côté, je pense, après. Ça peut être très très bien. D'ailleurs, en parlant de ça, réserve ici, effacer tout, très élevé, je veux des briques d'argile. Voilà, ce sera juste à côté. Et au passage, c'était... Ah, c'était le... lui qui prenait la variation. Ok. Bon, on peut donc déjà les mettre. Voilà, très bien. Et ça, ça va se faire détruire tout seul. Mais non, Nicolas, t'es pas censé faire ça. T'es censé nous faire ça. Priorise la confection. Il y a un truc qui doit être en cours, et je sais pas quoi. Il en attend de ressources, lui. Vas-y, annule-moi ça. Est-ce que tu veux bien t'en occuper? Il faut être un artiste. C'est Malabar le problème. Donc non. Enfin, Malabar le problème. Non, Malabar n'est pas un problème. Mais ça ira mieux. Voilà. Démonte les objets pour du tissu. Tout le temps. Modifier, on avait dit. Voilà, tout ça qui serait en dessous de... Très bon. Et la même chose. Enfin, tout le reste. En dessous de... 50% on va dire. Voilà, très bien. Comme ça, là, Nicolas, ouais, au boulot, excellent. Et ça, eh ben, on va pouvoir la dupliquer pour le mettre dans la cabane de notre artiste. Très très bien, enfin. Ça, je savais pas quoi te remettre là-dedans. Donc ça tombe bien. Comme ça, toi, tu vas pouvoir te mettre là. Et je voudrais, après, que tu me fasses ça. Il me faudrait aussi de quoi faire la sculpture. Donc c'est établi de maçon pour la pierre. Et aussi pour le bois, ça doit être la menuiserie. Voilà, très bien. Ah, Malabar, tu vas voir tous les ateliers du monde. Hein. Chanceux, va. Vous en êtes tous de notre ravitaillement. Très très loin. Ok. En même temps, faut dire que ouais, ça ravitaille à fond. Enfin, ça ravitaille à fond, mais Lee a quand même pris le temps de venir. Donc ça, c'est cool. On va pouvoir mettre la route là. On va pouvoir mettre la route là. Sachant que... Faut que je mette les variations sur les trottoirs là. Je sais pas pourquoi. Depuis quand c'est les trottoirs qui prennent les variations chez moi? Je ne sais pas. C'est pas très grave. Voilà. Et donc toi, on a dit... Ah, ou alors je vais pas mettre... Si, mais si, il a un sol. C'est sûr qu'il a un sol. Voilà. Très bien. Le trottoir est remis. Parfait. Toi, t'es pas bien mis. C'était toi qu'on voulait. Voilà. Très bien, et là maintenant, eh ben, il va nous faire tout ça, ce sera rapide normalement. Pour l'aider avec un peu de bois, non, ça va traîner, on va éviter de faire ça. Ouais, il est 7h du matin, tout le monde s'est réveillé, tout le monde s'est remis au travail, ou presque. Et ce qui est bien, si vous remarquez, on recommence à avoir du chauffage. Enfin, ce qui fait des pièces à 14 degrés, parce que quand il n'y a pas le chauffage, ouais, c'est froid. Hein. Moins 2 pour Nicolas, je le plains, enfin je la plains. Ouais, et puis heureusement, on a Lee qui continue de travailler là-dessus. Voilà, très bien. Non, mais ça va avancer petit à petit. Je suis même pas inquiet sur leur capacité à réaliser les choses. Il y a du stockage ici. Il y a un truc que j'aimerais faire, c'est supprimer ça. Il me semble que... Je vérifie quand même avant. Que le... garde-robe... Ouais, c'est une case. C'est bon. Si on pouvait me démolir ça, je pourrais mettre des garde-robes à la place d'avoir ça et stocker 6 vêtements nuls pour que Nicolas ait moins de chemin à faire. Ce serait bien. Bon, après... C'est un peu gros. Ça va un peu encombrer les fenêtres. C'est pas très grave. C'est pas très grave du tout. Ok. Ah oui, j'avais mis une fenêtre comme ça ici. Ok. Très bien. Où ça rame? Le jeu qui a du mal depuis la dernière mise à jour. Et ici, il n'y a pas de sol. Ou c'est le sol en bois qui a pris la neige? Certainement le sol en bois qui a pris la neige. Ah, mais il y a Edith aussi qui vient, bah voilà, ça commence à travailler en tous les sens. Voilà, on a plus les problèmes. Parfait, diminuer l'intendance de 1. Bon bah sauf Nicolas, il est malin d'ailleurs. Ouais, malin, tu m'en fais pas. Quoique si, tu peux maintenant, t'as plus de recherche. Tu passes à 2 et en plus t'es intéressé par ça, t'es zélé. Il est très fort malin. Oh la vache. Nicolas, non, ça toi tu ne fais pas. Le transport, tu le fais pas non plus. Ce sera bien. Voilà, et j'imagine que les autres doivent de toute façon être partis pour aller miner ici. Même pas, ça mine à peine. Oui, forcément, ça n'avance pas. Très très bien ici. Est-ce que ça a été fait? Non. En même temps, j'ai pas l'air d'avoir beaucoup de constructeurs, donc ça peut expliquer ça aussi. Si, j'ai Edith Malabar. Oui, j'ai pas besoin d'un artiste. Ici, production inactive, en attente. Où est Nicolas?
Construction. Non, priorise ça. Bah, pourquoi t'es pas en confection 1? Je comprends pas. Nicolas, où es-tu? Tu es là. Mets-toi 1. Ouais, ouais. Y a pas de problème, tu me fais ça à fond. Surtout que là, tu vas démonter. Et en démontant, tu vas libérer une tenue qui va pouvoir être utilisée par quelqu'un et ce sera très très bien. Ok, lit. Fais-moi une garde-robe. Merci. On va se mettre vitesse comme ça, voilà, très bien. Vas-y, fais ça. Bon, en plus, il y avait du bois en dessous. Excellent. Toi, tu stockes dans cette garde-robe pas la guerre, pas les pièces d'or. Habillement, oui, tu peux tout prendre. Qui sera inférieur à 50%. Voilà, comme ça Nicolas aura du boulot. Tout le temps. Et les animaux vont venir mettre donc 6 pièces d'habillement. Ok. Et ça c'est bien avancé, c'est trop bien. Parfait. Et ils sont repartis pour une nouvelle journée de travail. Sachant qu'on peut déjà en fait commencer à stocker les choses ici. Donc on va demander à stocker, on a dit, en très élevé, tout ce qui va être charbon. C'est pas fabriqué? Non, c'est pas considéré comme fabriqué. Mais ça, ça va nous aider. Je sais pas où est-ce qu'il est stocké, mais je pense que c'est là-bas aujourd'hui, le charbon. Non, c'est du cuir de sanglier. J'ai du cuir de sanglier. Bah oui, forcément, à force de les chasser. Et là, non, je sais même pas où est-ce qu'il est stocké, mon charbon. Peut-être là-bas. Voyons voir. Non plus. Je sais pas du tout où il est stocké, le charbon. C'est pas très grave. Ce qui compte. Si, à côté dans la forge, on doit en avoir là-bas. Oui, j'en avais là. Mais c'est que 576. Où sont les autres? Je ne sais pas, parce que ça c'est 200, et ça c'était 200. Comment je peux en avoir 566? Il est où le reste? Ah, il est là. Bah oui, d'accord, oui. Forcément. Si, c'est autorisé, les gars. C'est autorisé. C'est très autorisé, même. Voilà. Par contre, toi, t'étais pas en très élevé, si? Si, t'étais en très élevé. Mais à mon avis, on peut réduire de une case. Voilà. Très bien. Et ça, on va l'agrandir d'une case. Nickel. Ça va nous aider, normalement. Donc ça, ça progresse bien. Ok. Et pour le principe, on va la copier. Mais on va pas mettre du charbon là, on va mettre juste du bois. Ce sera bien aussi d'avoir juste du bois. On en a tellement partout. Ça va nous permettre d'avoir à proximité toutes les ressources pour construire et produire. Toi, on va te copier. Et on te colle là. Voilà. Sauf qu'en fait, on va mettre tout ce qui est en dessous de très bon. Jusqu'à 100%, mais pas les vêtements. Ah oui, mais c'était... Ah, mais c'est que les armes. Il n'y a pas les armures? Si, protection. Qu'est-ce que tu recycles pas, toi? Armure légère. Casque et veste matelassée. Mais t'as les vêtements, oui, c'est bon, t'as les vêtements. Voilà, très bien. Et tu es bien évidemment très élevé. Voilà, très bien. Il y avait quoi là-dedans? Je crois qu'il n'y a rien. Oui, il n'y a rien. Si, dedans, atelier valable. Ok. Bon, tout ça, c'est fait. Très, très bien. Et vous voyez, ça rend plutôt pas mal, hein, comme petite bâtisse. Si je dézoome, ça remplit notre fort. C'est pas mal. Je propose qu'on fasse la même de l'autre côté, pour la symétrie. Du coup, on est reparti pour faire un bâtiment comme ça, qui n'allait pas jusqu'au bout. Ouais, il a une casse. Très bien. Voilà, pour les coins arrondis, il nous reste à mettre encore les portes. Au centre, l'escalier ici. Le mur derrière, avec ses variations. Voilà, très bien. Un petit sol, on avait dit, ici et là. Toi, pour pouvoir faire ça. Voilà, je crois que c'est le bon côté. Hein. J'ai pas mis la bonne variation. Je me disais aussi, c'était bizarre. Voilà. Du bois à l'étage. Et enfin, le toit qu'on avait dit dans ce sens-là. Avec ça comme ça. Je pourrais relâcher la pose d'ailleurs, parce qu'ils vont continuer de nous le faire, hein, comme ça, pendant ce temps-là. Très bien. Hop. Prends-moi ça ici.
Bah, toi, tu te déplaces, tu viens là. Ça. Mais il veut pas hein, m'attraper en dessous. Et ça, c'est le sol. Voilà, toi. Hop, on te supprime. Très, très bien. On va supprimer ça. Comme ça. Voilà, très bien. Et avec les variations. Eh ben, ils ont été super rapides, moi, je trouve, pour avancer là-dessus. Toi, je t'ai pas mis, peut-être pas mis tes variations de l'autre côté. Si, j'avais tout fait. Moi, j'avais tout fait. C'est bien. Hop. Et hop. Très bien. Ça va nous habiller notre place. Ça va être cool. Ouais, ça va vraiment être très cool. Par contre, j'ai oublié de faire un truc. Là. C'est que j'ai pas du tout mis mes portes, enfin mes fenêtres ici. L'avantage, c'est que ça, on peut vraiment attendre. Vous deux dans le même sens et vous deux dans le même sens. Voilà. Très très bien. Ça va nous faire notre ameublement comme ça. Ça va être enfin, notre aménagement, notre cour encore une fois. Faire assez tasser, certes, mais ce sera utile. Et là, ils sont un peu plus nombreux. Hein. Malabar en train de construire. Vous en étiez où chez Malabar de... C'est pas par là, c'est par là. Si je me trompe pas, je me trompe. C'était ici. Vous en êtes où? Vous avez tout fait. Très très bien. Toi, jusqu'à en obtenir deux. Ok, pareil. Jusqu'à en obtenir deux. Toi, jusqu'à en obtenir une. Déjà, ce serait bien, mais je crois que j'en aurai jamais une. Pourtant, j'aimerais bien en avoir. Je crois que le calcaire, ça va être compliqué. Des tapisseries, jusqu'à en obtenir 3. Les tapis, jusqu'à en obtenir 3. Et ce sera déjà pas mal. Voilà, Malabar va être occupé pendant très longtemps à faire tout ça. Ici, ils ont bien avancé aussi, parce qu'ils sont toujours en train de miner, là. Ça, c'est très bien. Et ça va nous permettre, comme ça, d'être pas mal. Et voyez, tout le bois là qui a été stocké à fond, c'est trop bien. Par contre, pour le principe, vous allez me faire l'isolation quand même. Ça sert à rien, mais faites-la. Voilà, merci. Et je crois que j'ai oublié de mettre un truc un peu important à l'étage. Genre une porte. Là, merci. Et les variations d'ailleurs, j'avais peut-être oublié. Non, je les avais pas oubliées en bas. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Déjà 23h. Et bon, on est reparti. Alors, je sais toujours pas pourquoi c'est Nicolas qui s'en charge. Nicolas, nombre atteint ici. D'accord, laisse-moi changer des choses. Non, pas ici. Dans la gestion, j'avais diminué saison ok pour le principe. Mets-moi ça à 45. Il peut bien avoir des gens qui vont abandonner des choses. Ne pas s'en occuper. Elle est buggée, ma table. J'ai l'impression qu'elle est bien buggée. On va demander 30. C'est pas grave. Il y arrivera peut-être comme ça. Voilà, 30. Et on a un visiteur amical qui vient d'arriver. Un druide niveau 2. Très bien. Par contre, oui, vu que j'en fabrique plus, vous, ici, saison ok, vous avez le droit de prendre à 60. Hein. Allez-y. Voilà, ça devrait être pas mal. Comme ça, Nicolas va nous faire des nouvelles tenues. Lys est rééquipé. On aura moins de gens qui vont souffrir du froid parce qu'ils sont quand même un peu 5 ou 6. Très bien. Et je crois qu'ils ont fini de me construire. Non, il reste encore quelques petits trucs à faire quand même. Voilà, ils se remettent tous au travail. Et puis j'avais envie de détruire ça et ça ici. Et commencer à planter des petits arbres. J'aimerais bien en avoir quelques-uns ici quand même. Des petits arbres majestueux, je dirais des chênes. Hein. Ça me semble très très bien des chênes. Allez-y, mettez-en un là. Raté, complètement raté ça. Non, j'en veux juste... Ici et là, voilà, très bien. J'en voudrais là. Il y a un feu de camp, c'est vrai, j'avais oublié que je faisais mon pain. Ouais, toi, t'es mal placé quand même. Il y a un petit peu les trucs au-dessus. Ça, couper. Couper, moi, ce saule. Ça, détruisez-le, ça ne sert absolument à rien. Parce qu'on a 160 de repas, mais oui, ça sert à rien. Surtout pour avoir du pain pour les restes. Enfin, pour les autres, ça servait vraiment. C'est très luxueux, je trouve, d'avoir fait ça. Un feu de camp juste pour avoir un peu de pain. Vas-y, ici. Voilà, très bien. Et ici. Et là aussi. Parfait. Ça et ça, on va pouvoir les supprimer. Ça aussi. Parce que j'ai envie de les rapprocher. Pour les mettre là.
tout simplement. On les voyait pas. Ouais, et puis d'ailleurs... Là et là. Quoique... Oui. Oui, c'est plus là et là du coup. Voilà. Et on va pouvoir vous remettre les variations dans ce sens-là. Évidemment, c'est très bien. Voilà. La cour sera un peu mieux comme ça. Ce sera mieux. Parfait. Ici, les toits, vous pouvez pas le faire? Si, vous pouvez rentrer. Rassurez-moi. Vous pouvez. Toit. On va dupliquer, même si ce sera pas la même chose ici. Vraiment? Voilà. On peut tout effacer ici et là pour le principe. Qu'est-ce qu'on pourrait stocker? Des graines. Ça me semblerait bien de les stocker, les graines. Un jour, à ces endroits-là. Sachant que c'est toutes les graines. Il devrait tout mettre. Et dans les matériaux, peut-être des branchages. Je sais, plutôt du foin. Tout simplement parce que le foin, on en a beaucoup. Et que ça nous rapprocherait de nos cuisines pour faire les nourritures pour animaux. Oui, il y a toujours de la neige chez nous. Pourquoi? Je sais pas. D'ailleurs, ça me fait penser, toi, je voulais te dupliquer pour te mettre là et là. Pour le principe. D'ailleurs, on pourrait remettre ça au milieu ici. Ça aurait pu être intéressant d'en avoir deux ici et là. Pour le principe. Allez, vous deux ici. Toi. Je crois que j'en ai plus de calcaire, mais c'est pas grave. On va retirer ça, ça sert à rien. J'en ai 245, ça va le faire. Du coup, peut-être pas comme ça. Mais. En foyer de calcaire. Ah, non, en brique de calcaire. Voilà. Ça me semble pas mal comme ça. Et oui, ça va tout aménager, ça va tout changer. Tout ce bois là, c'est cool. Le charbon, est-ce qu'il est en train d'être transformé? Je pense pas, hein. Je pense que ça a du mal. Toujours. Hop, on va les faire passer devant. Faites le charbon en priorité. Sur 3. Ça me semble très bien. C'est vrai que ces fours là, il faudrait que je les bouge. Hein. C'est pas ce qu'on avait dit à la base, qu'on devait les bouger. C'était temporaire cet emplacement. On verra ça plus tard. Voilà, ils sont repartis tous travailler. Mais je pense que surtout qu'en fait j'ai un problème au niveau de mes travaux. Forgeron, c'est mal à barre. C'est ça qu'on avait dit, c'est que c'était mal à barre. Et là il est à fond sur de la peinture. Je suis pas sûr que ce soit de la peinture ça. Mais par contre, ouais, t'es notre artiste, certes, mais en deux. S'il te plaît. Ouais. Ah bon? C'est peut-être de la production alors. Et pas de la forge. J'étais persuadé que c'était de la forge de faire fondre les choses ou de les... Enfin, de faire des briques et compagnie. C'est où? Pourquoi je suis toujours perdu dans mon village? Ok, donc c'est quelqu'un d'autre qui doit s'occuper de ça. C'est de notre production? Alors. Ah, j'ai personne à production 1. Gonilda. Fais-nous la production à fond. C'est pas grave si tu mines pas. Voilà, faire de la production, ce sera très bien. On va te faire les glaçons, on va nous faire des trucs comme ça. Très très bien, et vous en êtes où d'ailleurs dans votre mine? Malabar, t'es où? Au moins l'avantage c'est ça, c'est qu'on... Fabrication d'un objet en métal? Bah non, toujours pas en fait, c'est toujours une grande statue en bois. T'as l'air d'avoir du mal dans ce que tu fais, Malabar. T'es un artiste, t'es un décis. D'accord. Mais c'est pas un objet en métal, c'est une grande statue en bois. Ici, ça mine à fond, c'est cool. Comme ça, on va avoir de l'argile, très très bien. Notre poulet survit. Et j'ai toujours pas eu un seul marchand depuis le début. En même temps c'est l'hiver, ça semble logique. Très très bien, c'est en train d'être fait. Ça c'est cool. Ouais, c'est trop bien. Après ça, ça a pas besoin d'être lumineux. 20 jours hein, de feu. Non, toi. Faible. Élevé. Voilà, comme les torches, comme tout ce qui est en extérieur en fait. C'est élevé. Et du coup, ils ont fini de nous faire tout l'aménagement de notre cour. Hein. Regardez-moi ça. Comment c'est tout de suite beaucoup plus sympa. C'est vraiment mieux aménagé. Non, ils ont pas fini. Il reste encore un drapeau. J'ai rien dit. Il reste ça. Vous attendez quoi? Du bois en plus? Ouais, merci, Lee. Maintenant, vous avez fini.
Il faudra arranger ça. Merci, ça va vite partir. Le foin a été mis ici. Les graines, bah, ils essaient de remplir ça comme ils peuvent. Ça se périme ? Décomposition en un an. D'accord. Un peu compliqué donc. Est-ce que j'ai des chaînes que je pourrais couper pour récupérer des graines ? Je crois que ça va être compliqué ça aussi parce que on a fait pas mal le ménage. Oh, j'ai un escalier ici maintenant. C'est vrai qu'on peut se permettre de faire des escaliers au pif dans notre village. Mais ça m'étonne. Mais c'est très bien. Même si ça m'étonne. Gonilda est en train de nous faire toutes les transformations. Ça aussi, c'est cool. Parce que ça va permettre d'avoir plein d'argile et plein de charbon. Et comme ça, on devrait être plus efficace sans notre ravitaillement, surtout en fait. Très très bien. Et toi, t'es en train de produire aussi. On a 21 tenues. Ok, je pense qu'on va réussir à s'en sortir. Une nouvelle journée. Et du coup, il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on a toujours personne capable de nous faire des armes bien. Donc on va demander à recycler même les arcs qui seraient en dessous de, je ne sais pas, 50% de points de vie. Ce serait pas mal, tout le temps. Parfait, parce que ce serait bien d'être capable de faire des meilleures armes. D'ailleurs, hop, j'en veux 4 de chaque. Voilà, faites montez-moi la menuiserie. Ça c'est triste, ça sert plus. Je sais pas où est-ce qu'elles sont mes graines. Peut-être qu'elles sont en bas. Hein. C'est vrai que ça, c'est pas très fort. Pourquoi t'es interdit, toi? Autorisé. Merci. Voilà, c'est mieux. Ah, oh, ils ont fait plein de glaçons pour l'hiver. C'est bien, ça va conserver la température. C'est top. Très, très bien. Là, ça s'est un peu écroulé. J'ai dû me prendre des tirs de... Un jour. De trébucher. Et ça avait tout détruit. Bon, bah, très bien, ça va se remettre, c'est cool. Ça leur fait faire des petits chantiers. Et ils vont pouvoir planter les arbres. Après, est-ce que j'ai des graines de chêne? J'ai pas l'impression d'avoir des... Si, j'ai 16 graines de chêne. Ok. Ici, nous avons des chênes. Voilà. Non, pas ça. Ça. Très bien. Et au passage... Mais ça, comment ça se fait que ça pousse comme ça? Oh, j'ai plein de chênes, là. Ils sont tous pourris. Ils ont juste me donné du bois et pas de graines. C'est bien dommage. Ok. Et ils ont bientôt fini de me miner tout ça. Hein. Ça aussi, c'est cool. Au pied, on pourra toujours agrandir ici en plus. D'ailleurs, on devrait s'occuper de ça tout de suite. Ce serait intéressant de faire une extension comme ceci. Une autre. Non, tant qu'à faire. Il va m'en falloir une petite... Si, c'était bien, en fait. Mais on fera une là. Mais comme ceci. Et une là. Ok. Tout aussi comme ça. Il me semble que ça peut s'étendre un peu. Voilà, très bien. Faites-moi les portes pour pas vous retrouver bloqué. Voilà. Évidemment, toutes ces zones-là sont inaccessibles. Bah là, ça me dérange pas en fait. Allez-y. Ça devrait être bien, il devrait y arriver. Et ça devrait nous faire plein de bois utilisé, plein de stocks en moins. Pour le principe, faites-moi un escalier qui descend là. Je pense que ça peut être bien. Lee, tu me fais ça en priorité. Déjà attribué à Margaret. Et bah parfait. Lui veut poser ça. Quoique, Margaret, elle est où? Lee, fais ça. Et Margaret. C'est bon, t'es dis-moi. Lee, t'y vas ou pas? Oui, il y va. Il va faire ça par au-dessus? Il fait ça par au-dessus, ça va nous libérer tout le reste du chantier. C'est trop bien. Il veut couper du bois. Non, construire ça. D'accord. Bah parfait, ça va avancer comme ça. Et puis quand on nous mettra les zones, forcément ça va se déverser. S'il y a de la place, ça peut aller jusque là. Normalement, on ne devrait pas y avoir de problème sur les quantités d'eau. Nickel. Ouais, je viens de remarquer qu'ici il reste un peu d'argile aussi. On va demander à miner ça alors. Non. Espèce de caméra coyote.
Voilà, très bien. Je pense que ça s'en est pas. Non, c'est de la terre. Ça s'en est. On bouchera. Hein. On doit avoir eu de la terre. Ce sera très bien. Poulet a trépassé à cause d'un renard. Mais vous êtes venu d'où? Ah! J'ai ouvert la... Ici. J'ai oublié les renards. Et bah zut, on a plus notre coq. Zut de zut, hein. Allez savoir comment ils survivent jusque là. Si... non. Malabar. Viens là. Moi et mes coqs, c'est quand même très dur. Hein. Est-ce que tu peux lui tirer dessus? Ouais. Touche-le, tue-le. Parfait. Les autres vont se ramener. Bravo Malabar. Ça c'est chapeau l'artiste. J'ai que ça à dire. Bravo. C'est tué aussi. Je sais pas s'il en a d'autres. Ça devrait le faire. Ça va nous rapporter un peu de fourrure en plus. Bon bah on a encore perdu un coq. J'ai que ça à dire. Et c'est le printemps. Parfait. Et du coup Malabar, on a deux clients pour toi encore. Viens par là. Merci. Viens tirer sur ce renardo. Fais ton cours, viens jusque là. Ouais, ouais, tu as l'air d'être un excellent chasseur, surtout sur les cibles qui bougent pas. Voyons voir. Bah non, quand ils bougent pas, t'as du mal. Feu. Dommage. Elle s'enfuit. Allez. Parfait, touché. Ah là, t'as du mal, hein, petit renard. Même si tu gagnes des points de vie, bah alors, tu nous as pas habitués à ça. Très bien. Toi aussi, chasse-le. Ah, vous êtes deux maintenant. On va voir si c'est Malin qui va l'avoir. Non, c'est Malabar. Bravo, Malabar. Ouais, quelqu'un, reprenez-le. Merci. Et puis, en fait, je te libère parce qu'il y a les autres à droite. Enfin, il y a l'autre à droite qui devrait faire le boulot. Il y en a vu qu'il y avait du calcaire, là. Ça m'intéresse. Allez-y. Prenez-moi ça. Il y en a tellement en plus, c'est trop bien. Oh, puis, allez-y. Je sais pas pourquoi je veux viser. Voilà, très bien. Et là aussi, il y en a un petit peu, certainement. Non, c'est de la terre. C'est pas grave, ça fera le tafou. Ça fera l'affaire aussi. Ça, j'ai du sel. Non, on va éviter le sel. Surtout du sel dans... Ouais. Ouais, si. Allez-y, prenez le sel. C'est pour aller avec notre poulet. Voilà, venez creuser ici. Ça va les occuper, même s'ils avaient encore du boulot là. Mais ouais, ça va le faire. Et nous avons un extorqueur qui vient nous voir. BD, très bien. Bah BD, tu vas devoir attendre parce que j'ai un escalier qui m'embête. Et que je ne voudrais pas faire ça à la dernière minute. Donc, ouais. Détruisez-le. Allez-y, n'ayez pas peur. Voilà, pourquoi je l'ai fait au début? Parce que tout simplement, parce qu'ils sont trop bêtes et qu'ils veulent absolument tomber. Malin, tu vas aller voir cette ce négociateur là, une silhouette de la troisième venue qui était apparue juste en bordure de pied dans l'eau. Il cherche un auditoire. Très très bien. Auditoire. Malin. Viens négocier. Et cette fois-ci, essaie d'obtenir quelque chose. Hein. Je sais pas, qu'il nous donne de l'argent ou n'importe quoi. Extorsion par l'église de la troisième venue. Dieu nous ordonne de punir pied dans l'eau pour ses nombreux péchés, s'écria le zélateur. Payez-nous la pénitence et nous offrirons sa miséricorde à la place. Non. Malin, faudra que tu me dises où est-ce que t'as appris à négocier, hein, parce que t'es quand même assez nul, en vrai. Et du coup, ils arrivent dans 3 heures. Tu les as encore frustrés. Aux armes! Il faut qu'on se défende, non pas sur les phares, pas là-haut, mais toujours au même endroit, sur notre porte. Ben voilà, on a déjà Richard qui est là, c'est cool. Bravo Richard, t'as une masse. C'est un peu nul, mais c'est pas grave, viens te mettre là. Comme d'habitude, 4 archers dans la tour en face, 3 au-dessus de la porte, et 3 dans les deux autres tours. Les piétons, non toi c'est déjà fait, vous deux, vous pouvez venir, hop, ici. Très très bien. On sera prêt à les recevoir dans 2 heures normalement. On est quasiment tous en place, les ennemis arrivent imminemment. Voilà, ils sont là. Vous êtes combien? Mais il n'y a toujours pas d'archers.
Oui. Si. Non. Oui, j'ai compris. Ah, je crois qu'il y a un bug. Quand j'appuie sur 3, ça essaie de mettre la vitesse max à fond. Mettez pas sur 3. Bon, ce sera corrigé rapidement. Il y a beaucoup de correctifs de bugs en ce moment. Et du coup, ils arrivent. Il n'y a même pas un bélier pour nous embêter. Ah non, mais vous êtes nuls. En fait. Très bien. Et puis, vous êtes toujours attiré par mes bûchers. Donc, vous avez aucune chance de gagner. Comme d'hab. Oh, très bien. Non, toujours pas. Voilà, ils arrivent. Et pas de chance pour eux. La pluie s'arrête au même moment. Ah, ça va faire mal. BD Will Millward. Ouais, ciblé par ours. Ah. Bah bonjour. Poum. Oh, il a tapé l'ours. Ça va, 3% de dégâts. Voilà. Merci d'avoir tué le négociateur. Et du coup, tu passes à qui maintenant? Personne. Qui t'attaque? Osgar. Très très bien. Voilà. Par contre, ça va. Ouais, c'est vraiment le début du massacre. Là, ils peuvent rien faire. L'ours. Ah non, BD. Ah, moins que ce soit lui le négociateur. Il se fait des BD en premier. Ouais, ça fait mal. Ah ouais, ça fait très très mal. Oh, les archers, le massacre. Et eux, ils sont entassés là pour monter à l'échelle pendant ce temps-là. Parce que c'est un raccourci. Peut-être pas. C'est bizarre d'avoir ça ici, en fait. Ça me sert à rien. On va le détruire après. La bataille, c'est vrai. Il paraît que c'est intéressant, les batailles. Même si là, c'est un peu à sens unique. On va tirer sur lui. L'ours, ouais, faut que tu l'achèves. Ok. Vous tirez toujours là-bas. Très bien. Merci. Un de moins. On va faire sortir Lee. Attaque Ricard. Ouais, c'est important d'attaquer le Ricard à cette heure-ci. Boum. Boum. Alors, fait bien mal, là. Vous fuyez pas? Vous devriez peut-être, parce que bah, vous êtes vaincu en fait. Bien joué, il n'en reste plus que un, Cyric. Très bien, les deux portions sont toujours en vie. Et on les a tous vaincus, on va pouvoir vous libérer. Excellent. Parfait. Oh là. Oh les sangliers ici. J'ai tellement envie de prendre tous mes archers. C'est ce qu'on va faire. On va continuer de s'entraîner au tir. Laissez-moi replacer les chantiers. Là, voilà, très bien. On a dit tout le monde sauf Lee. Je peux pas le retirer. C'est pas grave. Venez. Là. On va rigoler. Sauf toi, t'es libre, on a dit. Et sauf vous deux, vous êtes libre. En fait, non, celle-là, on va la supprimer. C'est celle-là qu'on va. Enfin, on va annuler celle-là et c'est celle-là qu'on va supprimer. Ok. Non, mettez-vous là. Pour tirer à l'arc, ce sera mieux. Passe là. Toi aussi passe là, t'es en train d'être sous l'eau comme pas possible. Ok, très bien. Tirer. Bah alors. Ils veulent pas tirer. Mais ils voulaient bien sur les renards tout à l'heure. Ouvrir tout seul, tu veux bien? Ne me dis pas qu'il faut que je leur dise un à un de tirer sur les sangliers, ça va pas le faire. Bon bah on va les faire tirer un à un, ou presque. Vous les avez pas tués? Margaret et Anwind qui chargent, mais ils vont où ces sangliers? Je crois qu'ils veulent se venger. Allez, à main nue. Non, tapez-les tous. Et ça bouge pas. Allez-y, vous devriez y arriver. Voilà, pour le principe. Et vous êtes libre. Voilà, on a fait un petit peu de chasse. C'était rigolo. Presque mesquin, j'ai envie de dire. Mais c'est parfait. Et le plus marrant, c'est qu'ils sont revenus ici pour je sais pas quoi. C'est leur sanctuaire. Très très bien, les animaux sont venus chercher déjà pas mal de choses. Et nous, on va pouvoir se laisser là. On aura bien avancé, je trouve, sur notre décoration de notre ville. Parce que, regardez, ça rend bien. Moi, j'aime bien ce que ça rend ici comme... comme paysage. Bon, ça manque de deux arbres, mais ils vont peut-être nous le planter maintenant qu'on est au printemps. Ouais, ça rend pas mal. Les ces stockages là, cette baie ici aussi, bon, ça mène sur du bois, mais c'est déjà très bien. Et regardez comment c'est imposant. Je trouve que c'est imposant. Imaginez courir là-dedans pour aller travailler, passer des portes, vous retrouver dans la rue ici pour arriver sur les défenses. Ouais, c'est pas mal. Très bien, on va pouvoir se laisser là comme je disais. On est déjà en plus au printemps.
Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite et certainement la fin de notre saison la prochaine fois. Mais ça veut dire que si on arrête une saison, une autre ne va pas tarder à démarrer. Donc c'est pour ça, il faut absolument que vous vous abonniez pour ne pas rater donc la saison 6 qui aura toutes ses nouveautés et qui devrait démarrer après mes vacances. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Ce sera mi-août, début septembre certainement. Vous verrez bien. Bref, à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. C'était Madrigan.